La ville de Sopot, c'est la fameuse ville balnéaire en Pologne, située au bord de la mer Baltique. Et soyons francs, ce n'est pas une ville bon marché. Pourtant, on peut y trouver des endroits où on peut très bien manger sans dépenser une fortune. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Dans mes vidéos, je partage des idées et des conseils pratiques pour vous aider à découvrir des endroits uniques de manière encore plus agréable. Aujourd'hui, la présentation des 7 restaurants et cantines dans les centres de Sopot. Pour la plupart, ils proposent tous un grand choix de plats typiques polonais, avec ou sans viande, à un prix très raisonnable. Cette présentation n'est pas un classement. L'ordre des lieux présentés est aléatoire. Regardez ma vidéo jusqu'à la fin. Il se peut que les derniers lieux présentés soient ceux qui vous conviennent le mieux. Découvrez mes propositions et faites votre choix. On y va! Le restaurant Vidia Relaxo est une continuation du pub Djekanat, mais maintenant dans un nouvel emplacement et dans une version encore meilleure. Le restaurant est situé à 15 minutes de marche de la plus célèbre promenade de Sopot, la rue des Héros de Monte Cassino, et à seulement 5 minutes de la plage. L'établissement est ouvert toute l'année, tous les jours, du matin au soir. Vous pouvez donc y venir pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. C'est aussi un lieu agréable pour travailler, se retrouver entre amis, commander quelque chose à emporter ou prendre un repas de récupération. D'autant plus que le lycée sportif de Sopot n'est qu'à 300 mètres de là. D'ailleurs, les propriétaires du restaurant soutiennent la section jeunesse du club local de sport. Le restaurant propose un menu permanent, très varié, où chacun trouvera son bonheur. Au menu, le classique Srabowy, délicieuse côte de porc panée, mais aussi du poisson et des pâtes. Tous les prix affichés concernent l'ensemble, c'est-à-dire que le plat principal, la soupe et l'accompagnement sont compris dans le prix. En plus du menu permanent, une offre variable est également disponible, différente chaque jour. C'est celle qui est proposée sur la planche de surf. Le menu traditionnel en papier est disponible en polonais et en anglais. Vidia Relaxo est un endroit qui m'a impressionné par son offre variée, ses prix raisonnables et son atmosphère agréable et familiale. C'est sans doute la raison pour laquelle tout le monde s'y sent bien, peu importe l'âge ou le statut social. Un endroit parfait pour les gens du quartier et pour les vacanciers. Le restaurant appelé Bar Bursztyn, qui signifie « l'ambre » en français, est situé à seulement 10 minutes à pied de la promenade Monte Cassino et à seulement 5 minutes de la plage. Il est ouvert tous les jours du matin au soir, vous pourrez donc y prendre tous les repas dans la journée. Le restaurant propose un large éventail de plats qui satisferont tout le monde. Il existe des plats polonais traditionnels, des soupes, des salades riches, des pâtes et des pizzas. J'ai visité cet endroit au début de la journée. Là, le matin, on a le choix des différentes formules petit-déjeuner pour un maximum de 20 zloty, 5 euros. Ou bien, on peut toujours composer son propre petit-déjeuner. Le matin, des hot-dogs, des saucisses, des œufs brouillés sont préparés ainsi que des options sucrées, tels que des gâteaux, des crêpes et du café délicieux en différentes versions. À mon avis, le bar Bursztyn est une bonne adresse dans les centres de Sopot à tout moment de la journée, avec un grand choix de plats de toutes sortes, y compris les plats traditionnels polonais. Et tout cela à des prix très raisonnables. Je voudrais vous recommander un endroit où vous pourrez déguster une excellente pizza à Sopot. Il est situé dans la charmante rue Hafner, à quelques pas de la rue piétonne touristique Monte Cassino et de sa célèbre maison tordue. L'endroit s'appelle Pizzeria La Nostra. Ce charmant restaurant relativement nouveau a été créé par un homme avec un grand enthousiasme et un grand dévouement pour ce qu'il fait. Konrad, le propriétaire, est un grand spécialiste de la pizza italienne. Il met tout son cœur dans son travail et prend soin de chaque détail pour rendre sa pizza vraiment unique, savoureuse et saine.
Conrad a perfectionné ses compétences en Italie sur la supervision d'instructeurs certifiés. Dans sa pizzeria, il attache une grande importance aux ingrédients de la plus haute qualité, accrédités par l'Association de la vraie pizza napolitaine. Une garantie en plus de l'authenticité de sa pizza est le four, fabriqué à la main à Naples, et également certifié par l'association. La Nostra propose avant tout d'excellentes pizzas dans une ambiance agréable, en couple ou entre amis. Je suis convaincu que ce nouveau lieu sur la carte culinaire de Sopot gagnera rapidement ses fidèles partisans parmi le vrai gourmet de la vraie pizza italienne. Le petit restaurant Domova Kuchnia est situé à moins de 300 mètres du phare de Sopot et pas loin de la plage. À l'intérieur minuscule mais très agréable, de couleur vive et chaude, propose des places assises à l'une des quelques tables. Vous pouvez prendre votre repas sur place ou à emporter. Dans ce restaurant, tout ce qu'on vous offre a un prix unique. Le repas que vous composez et commandez sera pesé et vous paierez en fonction du poids du contenu de votre assiette. Au moment où je réalise cette vidéo, 100 g de nourriture coûte même pas 2 euros. Vous pouvez choisir parmi des plats et des accompagnements traditionnels de la cuisine polonaise. Côtelettes et mielone, donc les boules de viande hachée. Côtelettes de porc, pierogi, fameux gołąbki polonais, rouleaux de chou farci de riz et de viande hachée. Kopytka, salade et excellente soupe. Le restaurant Domova Kuchnia est un endroit très agréable pour une petite, une grande faim, situé à proximité de la célèbre rue piétonne Monte Cassino. C'est une bonne idée de s'y arrêter pour prendre un repas fait maison, à un prix raisonnable. Vous payez autant que vous mettez sur votre assiette. Tout au début de la célèbre rue piétonne touristique Monte Cassino, il y a plusieurs restaurants sympas, pas chers, tous au même endroit. Comment y arriver? Il suffit de monter cette rue, de prendre le passage sous la voie ferrée et vous y êtes. Il y a trois bars à lait, une crêperie, un endroit proposant les célèbres zapiekanki polonais et une pizzeria. Je vais vous présenter deux de ces restaurants. Le premier, au numéro 11, s'appelle Lux Baguetta. Le restaurant a créé sa marque autour de bons zapiekanki, puis il a élargi son offre avec des nouilles et quelques plats de la cuisine traditionnelle polonaise. L'intérieur est agréable. Le menu comprend plusieurs zapiekanki de détails différentes. Les plus grandes mesurent un demi-mètre de long et 10 cm de large. Il y a de quoi manger. Le propriétaire du restaurant avait acquis une grande expérience dans les meilleurs restaurants de la région. Aujourd'hui, il a créé son propre menu et met beaucoup de cœur dans chaque plat qu'il prépare. J'ai dégusté le plat polonais traditionnel, les kartacze, avec des oignons mijotés dans une sauce aux champignons sauvages. Et puis les pierogi au bœuf dans un bouillon de poulet. Et les délicieux lénive, un autre plat polonais traditionnel avec de la crème aigre et des framboises. Tout était délicieux et servi avec finesse. Dans l'intérieur chaleureux du restaurant Lux Baguetta, vous pouvez également prendre une bière, s'offrir une friandise ou une tasse de café au chocolat. Le restaurant suivant que je voudrais vous recommander se trouve au tout début de la rue des Héros de Monte Cassino. Ça s'appelle Bar Bistro Festival. Le restaurant est ouvert tous les jours de 11h à 18h et propose un large éventail de plats pour le déjeuner, principalement des spécialités polonaises telles que les pierogi, différentes viandes et des accompagnements. L'avantage de ce restaurant est que tout est présenté de manière attrayante. Les clients peuvent voir à quoi ressemble le plat proposé. Le choix est vraiment grand. On y trouve du poisson, de la viande, mais aussi de nombreux plats et légumes d'accompagnement, des céréales et des salades. Il y a aussi des options végétariennes. Le prix inclut un plat avec un choix d'accompagnement. Pour 5 zlotys supplémentaires, vous pouvez commander une soupe en plus. Par exemple, pour le célèbre côtelette srabowe, côte de porc panée à la polonaise, avec pommes de terre et une salade, vous payerez 26 zlotys, environ 7 euros. Je me suis laissé tenter par une des spécialités de la maison, le canard rôti. Le prix de cet appétissant ensemble est de 31 zlotys. Le Bistro Festival propose également tous ses plats à emporter. Ce bâtiment simple situé au numéro 1 de la rue Krasickiego à Sopot propose un grand choix de pierogi, appelés parfois des raviolis polonais.
Alors, si vous souhaitez goûter au vrai pierogi polonais, n'hésitez plus et entrez. L'intérieur est agréable, le service efficace et surtout, les pierogis sont délicieux. De style traditionnel polonais, chinois, mexicain, avec viande ou végétarien. Au total, une vingtaine de pierogis différents fait maison. Tous les pierogis sont disponibles sur place, à emporter ou surgelés. En rose à gauche, on voit le prix par assiette de pierogis frais sur place. Et en bleu, à droite, c'est le prix par kilogramme de surgelés. Tous ces prix sont en zloty polonais. 4 zloty, ça fait environ 1 euro. Ainsi, pour une assiette de pierogi sur place, il faut compter entre 6 et 7 euros. Dans ce petit restaurant, les pierogi ont un goût fait maison et la variété des formes et des saveurs satisfera tout client. Et enfin, un endroit idéal pour ceux qui adorent la cuisine asiatique. Je ne montre ce restaurant que de l'extérieur, respectant ainsi la volonté de la modeste famille qui crée la marque de ce restaurant depuis des années. Le restaurant Kuchnia Vietnamska n'est pas un restaurant chinois ordinaire. C'est un endroit simple, mais où l'on peut bien manger, de plats savoureux et de bonne qualité de la cuisine vietnamienne. Tout cela à un prix raisonnable et à seulement 10 minutes à pied de la rue piétonne de Monte Cassino. Ceci était la présentation des 7 endroits où on peut très bien manger à des prix raisonnables et tout cela dans le cœur de la station balnéaire de Sopot en Pologne. Vous trouverez les liens directs et les adresses des lieux présentés dans la description de cette vidéo en dessous de celle-ci. Si vous allez dans un de ces endroits, n'hésitez pas à partager votre opinion, laissez un commentaire et dites ce que vous avez mangé et ce que vous avez aimé. Si vous voulez plus de vidéos utiles avec des conseils pratiques, avec des astuces de voyage, il vous suffit de vous abonner à cette chaîne. Je vous rappelle que toutes les vidéos que je les fais en 3 langues, en polonais, en français et en anglais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.